Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne. Nous sommes repartis pour une petite session sur Tactics Ogre Reborn. On reprend donc l'aventure en direction de la forteresse de Boed pour ensuite l'archéopole de Rim. Je pense qu'on peut récupérer un petit... Comment dire ? Je trouve où c'est. Un petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois. Je sais pas dans quel sens c'est. C'est ça, en route pour Rim. Après avoir vaincu les pirates de la forteresse de Khadriga, Denam et ses compagnons parviennent à récupérer le bateau du front de libération de la Valeria. Donc ça c'est fait. En compagnie de Sir Folkers, ils mettent alors le cap sur l'archéopole de Rim. Et l'étape évidemment qui est ici, la forteresse de Boed, c'est justement à la demande de ce personnage qui nous a offert la possibilité de traverser avec son bateau. Bref, c'est parti. Et bonsoir Vixen, merci pour ton réabonnement, comment ça va? On commence donc avec une bagarre, hein, pour pas changer. J'ai toujours pas changé la majorité du stuff de mon personnage, j'ai pas réellement changé de classe. Je sais toujours pas quoi prendre réellement en fait. J'aimerais bien changer celle du héros. J'étais tenté par Ninja, mais j'ai peur que ce soit un petit peu une classe en papier, contrairement aux guerriers. Donc j'attends une autre classe, il y en a d'autres, j'en suis certain. On verra. Allez, on se met en route. Salut Cédric. Let's go. Bonsoir Yann. Nani mono da? Réponse shidai de wa. この矢がお前たちの眉間を貫くぞ。大丈夫。慌てる必要はない。私だ、フォルカスだ。弓を収めてくれ。フォルカスさん?ご無事だったんですね。さあ、中へ入ろう。 賞金首を連れてくるなんて、一体どういうつもりだ?我々のアジトをオルスタ軍の連中に教えるつもりなのか?それになぜここへ戻ってきた?彼らは解放軍に囚われていた私を助けてくれた恩人です。そうか。ならば仕方ないな。で、ここに戻ってきたわけは? リーダーを止めるためです。やはり、あの計画は中止するべきです。またその話か。もう議論はたくさんだ。何度話をしても同じことだ。私の決定に不満を持つ人間は、お前と共にここを出て行った。私は強制するつもりはない。だからこそ、出て行く時も引き止めはしなかった。 組織の決定って何?計画って?お前たちには関係のない話だ。黙っていてもらおうか。ロンウェイ公爵の暗殺だ。フォルカス!公爵一人を暗殺したところで、この戦いが終わるわけではない。それどころかバクラム軍は、舵を失ったウォルスタ軍に対して、必ず全面戦争を仕掛けるに違いない。 それが狙いだからな。枢機卿が率いるガルガスタンはもう時間の問題だ。ガルガスタンを打ち破ったウォルスタ軍はバレリア島の半分を制する強大な勢力となる。そうなるとバクラムとウォルスタの軍事力は五分と五分。戦えば共倒れになるに違いない。狡猾なブランタとロンウェイはその事態を避けるために手を結ぼうとするだろう。 それでは何も変わらぬ。だが、公爵が死ねば話は違う。ここぞとばかりにバクラム軍は侵攻を開始するだろう。そして、ブランタがこの島の覇権を握ったその時、今度は奴を暗殺するのだ。そんなにうまくいくかしら?戦!どうだろう?お前たちも、
この計画に参加しないか。賞金首となって逃げ回るより、我々と共に公爵を、暗黒騎士団を倒し、真の平和を築こうではないか。戦争で苦しむのは私たちではない。普通の生活を営む人々です。これ以上、この子らのような犠牲者を出すおつもりですか。何事だ、騒がしいぞ。たった今知らせが入りました。慌てずともよい、ゆっくり落ち着いて話せ。ウォルスター軍がガルガスタン軍を打ち破り、コリタル城が陥落いたしました。何ですって。またバルバトス枢機卿は捕らえられ、今朝夜明けとともに処刑されました。わかった、では計画を実行しよう。皆の、それから使いの者にはゆっくり休むようにと。はっ、かしこまりました。そんなことが許されるとでも。コリタニ城が陥落した今、我々にはこの方法しか残されていない。公爵がガルガスタンを掌握する前にことを起こさねばならん。もう遅いのだ、フォルカス。あなたは間違っている。もうあなたにはついていけない。残念ながらお前たちと話をしている時間がなくなったようだ。あの男は現実を見ることができないばかりか、理想ばかりを語り追いかけてしまう。理想は高くとも地に足がついていなければ何の意味もないというのに。空から地上を見下ろしている鳥には地べたを這いずり回る蟻の気持ちなど分かりはしないのだ。手を汚すことのできないあやつには真の革命を起こすことはできない。お前と同じようにな。リーダーは変わってしまわれた。あそこまで言う方ではなかったのに。これからどうするんだい。そうだな、腐っていても仕方ない。仲間を集めて一から出直すさ。よかったら僕らと一緒に行かないか。いいのか。Certes, mais vous n'êtes pas notre ennemi. 君と戦っているわけじゃない。僕は気にしないよ。バクラム人を心よく思わない者もいよう。その気持ちだけもらっておくよ。そうか。なら仕方ないな。さらばだ、デニム君。君のことは忘れない。On enchaîne. Et pas de bataille finalement. Archéopole de Rime, de nouveau. Alors gagner avec un ninja et un archer. Il faut persuader aussi. J'ai pas de ninja. Mais je peux en avoir un si je transforme ce bonhomme. Mais du coup ça m'oblige à me séparer d'autres personnages. C'est pas grave en soi. Allez, on vise le bonus. De toute façon, le dompteur, jusqu'à maintenant, je l'ai pas trouvé ouf. À part quand il y a des bestioles, évidemment. Pourquoi ils l'ont mis avec une arbalète? Ils ont mal à la tête ou quoi? Faudrait que j'achète un petit peu des anneaux aussi.
Mais ils sont chers. Ce serait bien d'en trouver plutôt. Et on va mettre évidemment des skills. Ça c'est ciao. Ça on va voir, c'est pas forcément indispensable. Double attaque. Alors, ajoute double attaque dans le menu de l'unité lorsqu'elle est équipée de deux armes. Bah évidemment qu'on l'ajoute. C'est évident. Confère une précision de 100% au ninjutsu. Ça m'a l'air bien ça. On va en mettre d'ailleurs des ninjutsu. Inflige l'effet précision des coups. Écran de fumée. Ah. Ouais, on va l'augmenter ça. Et les parchemins, par contre j'ai pas acheté de sort. Heureusement j'en ai. Chimère de foudre. Il est foudre en plus. Ça par contre on va pas le mettre. Et là il y a quoi? Serpent de feu. Ah. C'est la même chose que cela mais avec d'autres éléments. Bon. Il y a peut-être des niveaux 2 d'ailleurs au magasin maintenant. On verra ça. Il y a un perso que j'ai plus avec moi, je crois que c'est Maron. Je l'ai viré. Pour le moment en tout cas. Lui non plus. Autant libérer les objets au profit des autres. Hein. Allez, c'est parti. Let's go. お前はザパン。本当に俺はラッキーな男だぜ。お前と再会できるなんてな。しつこい男ね。そのぶっ細工な顔、できれば二度も拝みたくなかったわよ。そう、釣れないこと言うなよ。 仲良くしようぜ。また罠にかかったのか。そんなことはねえよ。だから言ったろ、俺はラッキーな男だってな。さて、うるさい聖騎士殿が出てくる前にその首をいただこうか。かかれ、野郎。 Ah, ça commence réellement comme ça ? Ah mais d'accord, ils sont là. J'espère qu'elle va reculer, qu'elle va pas se jeter dans la bagarre. Ah ah ! Oh, le déplacement à la noix. S'il te plaît, recule. Mais non, mais... Oh là là. Quel enfer, ce personnage. Débile à souhait, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça commence violent, première heure de conduite. On te balance une Subaru, une Impreza, WRX. N'importe quoi. Est-ce que ce serait pas un archer ça? Non, pas du tout, donc il pourra pas m'atteindre. Vas-y, c'est très bien ça.
Donc je pense à utiliser une persuasion aussi. C'était quoi ça? Mais si je me barre, elle va se faire ouvrir en deux, la pauvre. Il vaut mieux que je reste ici pour qu'il se fasse un petit peu taper lui aussi. En gros, c'est Fire Emblem Discount? Ah non, pas du tout. C'est Fire Emblem plus plus, hein. Le nombre de mécaniques, mec, qu'il y a. Et surtout, enfin, tout ce qu'il y a vis-à-vis des unités, tout ça, c'est vraiment très très poussé pour un jeu de 95 en plus, hein, pour rappel. À l'origine, il date de 95. Ce qui est quand même assez ouf. Ça a l'air d'être que des unités de corps à corps de l'autre côté. En tout cas, il y en a beaucoup. Ah, mais j'ai pas vu, il y a un passage à gauche là. Ils vont se faire prendre en Twitch. Putain, mais elle tire vachement loin. Bon, évidemment, là, elle peut pas l'atteindre à cause des bâtiments, mais c'est pas mal. Il lui manque juste des ailes. Bon, le gros problème, c'est que lui, il a la portée vraiment très réduite. Est-ce que je me jette dans la bagarre comme un miséreux? Pardon? Comment je peux faire aussi peu? Est-ce que c'est à cause de son niveau? C'est ridicule! J'enlève un point. Attends, ils sont quel niveau ceux-là? 17. Il est 16. Bon, ok, mais. Quand même, quoi! Pas des couilles. Putain, j'ai pris un ninja finalement, il va me servir à que dalle, quoi. Bon, il va peut-être encaisser quand même. Bon, il me donne bien envie ce petit tactique, il remonte dans la liste de mes prios. Franchement, il se joue très très bien. Hein. On faisait mieux en version papier avant 80. Ouais, mais en version papier, donc on s'en fout en fait. Donc en fait, tu faisais pas mieux en 80. Puisque tu peux pas comparer du papier et puis un jeu vidéo, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir. Elle manque pas beaucoup. Prochain tour, je pourrais la soigner, mais elle sera déjà dans le mal. Hmm. Ça fait bien mal, ça. Hein. Lui, il met des patates au moins. Bah évidemment elle se replie. Si elle avait reculé direct, elle serait en vie cette dinde. Alors Denam, est-ce qu'on va pouvoir le sauver Denam? Bon, je vous espère que oui quand même. Hein. Hmm.
Heureusement qu'il résiste quand même pas mal. Et des noms aussi. Oh putain, je crois qu'il est entouré. Je suis dans la sauce. Non, c'est bon. Ok, il est à portée, c'est bon. Et du coup, l'autre, elle va pas prendre d'XP encore, elle va être à la ramasse. Je crois qu'elle est niveau 14 ou 15. Là, ils sont 17. Et le problème, c'est que si je fais des escarmouches, encore une fois, j'ai pas le terme, mais les batailles qu'on peut faire entre les combats, histoire de rattraper les niveaux, eh ben, elle sera quand même pas à niveau puisqu'elle n'y participe pas. Donc autant dire que pour elle, ça se complique de plus en plus. C'est un vrai problème. Il manque les dégâts de chute. Non, il y a les dégâts de chute. Ah merde, il va se retrouver coincé lui. Ah non, c'est pas bon là. Oh, c'est pas mal ça. Ah merde, ça m'a balancé un coup. J'avais pas vu que ça touchait plusieurs trucs là. Oui, 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 oui. Bon, lui aussi il va se faire déglinguer. Du coup, autant qu'il se buff. Et on verra après, hein. Ça craint du boudin. Est-ce que je le soigne? Il résistera peut-être un tour de plus. De toute façon, personne ne pourra venir ici. Ok, il est mouru. Mais ça, c'était prévisible. Je vais faire ce que je fais de mieux. En fait, leur team en face, elle est pas ouf. C'est quasiment que des corps à corps. Donc il suffit de créer un petit corridor. A priori. Et là, on est tranquille. Lui, il est plus ou moins à l'abri. Il va se foutre sur un toit et il va canarder. Au hasard, la sorcière. Putain, là, le sorcier aussi il va se faire plaisir avec les poisons. Si ça passe comme il faut. Il faudrait que j'arrive à l'avancer pour shoot le mage parce que je pense que le mage va emmerder celui-ci. Mais il risque pas grand chose à mon sens. J'en suis pas certain évidemment. Ah ouais, ceux-là je leur fais vraiment zéro quoi. Bonsoir Kendoza, comment ça va?
Mes healers, normalement, sont à l'abri. Bon, lui, il est bien, là. Hein. Par contre, je peux pas soigner les deux. Sinon, je risque de soigner celui d'en face. Quoique là, je m'en fiche, parce que je l'ai à peine entamé. Mais, tout de même... Ouais, ça va impec, moi, merci. On va pas attendre, on va soigner. Tiens, Cloud, comment ça va, mec? Ça fait un bail. C'est toi le brigand? Des faubourgs malfamés, la forme. Ouais, ça va super, merci. Et toi? Ça mange du couscous ou quoi? Bon poison qui va bien là-dedans. Ah merde, ça va toucher le héros d'Elam. Sauf si je me mets là, non? Ah ben voilà. Ah ouais, mais non. Attends, l'autre c'est plus intéressant. Mais oui, c'est intéressant. Tiens, les quatre. Ça. Je le lance quand même pour le défi, mais je sais pas si ça va passer. Si, c'est passé. Ouais, je m'en doutais qu'elle allait le shoot. Mais c'est tant mieux, il résiste bien à la magie. Et là, en mettant ce perso ici, Denam ne pourra pas se faire pousser. Mis à part le corps de l'autre, là, on est bien. Il est temps d'ouvrir les monstres. C'est juste dommage que l'autre... Bah l'IA, elle est naze quoi. Elle est restée en plein milieu au lieu de fuir tout de suite. Ça c'est vraiment dommage. Résistance. Ah non. Oh, c'est pas fou. Mais je pourrais le raise à distance? Non, pas vraiment. Je suis pas au bon endroit en tout cas pour. Par contre, à le prochain tour, elle est dead. Ah zut! Ça me contrecarre. C'est pas grave, on va en coller de nouveau. Ouais. ...59% de chance. Ce qui est bien là, c'est que par tour, ça fait quand même à peu près 60. Ou à 5, ça fait 300. Faut les voir comme ça, les dégâts, évidemment. Oh, attends.
Allez, yes, tu cannes. J'ai tout intérêt à pas bouger en fait. Par contre, le boss, c'est déjà plus inquiétant parce que lui, il va balancer des attaques de zone à 300 sur les deux. Donc c'est pas ouf. Faut pas qu'il vienne au corps à corps, quoi. Alors, il y en a un qu'on peut fumer, c'est celui-là. Et je pense qu'on va pas s'en priver. Ou celui-là. Allez hop, ce sera celui-là. Moins il y en a à droite et plus ça m'arrange. Parce qu'à droite il y a quand même deux cases à protéger. On va quand même déjà se placer ici. Je me prépare à res l'autre. Bon, ici ça tient tout seul. C'est juste les PM qui peuvent me manquer à un moment donné, si jamais il n'y a pas du tout de recharge. On verra. Oula, j'avais pas pensé à ça aussi. Le souffle de pétrification là. Ça craint ça. C'est là que c'est chaud. Lui, il agit bientôt. Il vaut mieux que je fasse ça, je pense. Même si elle est déjà entamée. Oh, c'est dommage. 160. Ah, faut que je le reste l'autre là. Au moins pour relancer le timer. Ah, hoplite, c'est nouveau ça. Voilà ce que je craignais. Elle est morte, mais il vaut mieux que ce soit elle. Thank you.
Sympa pour elle. Ouais, mais il vaut mieux que ce soit elle que Denham, parce que Denham, après, s'il arrive à zéro son compteur, c'est terminé, quoi. C'est vraiment plus compliqué d'aller remonter Denham et ensuite de pas le voir crever en chaîne, quoi. Peut-être attendre parce que là il a un buff intéressant. On va pas soigner tout de suite à droite. Par contre, celui-là oui. Il reste beaucoup quand même. Hein. Alors, normalement je peux attendre pour le ninja. Attendre un peu. Mais est-ce que c'est sage d'attendre? Parce que lui, il va encore agir normalement. Attends. Si je monte, il agit après? Quel est ce délire? Si je me déplace en fait. Son tour, il change. Ah. Ça, c'était pas prévu par contre. Même si je me mets là? Ouais. Bon, c'est sans doute normal. J'espère juste qu'il sera pas après le ninja. On va voir. Si, c'est après le ninja, donc ça va pas. Je sais pas pourquoi le tour change en fait. Sinon je le reste maintenant, mais... Il va se faire attraper par celui-là, je pense. On verra si ça suffit à la tirer. J'en aurais collé des poisons sur cette carte, hein. やめろ。これが気候だ。ローディスのやり方なのか。それはゼノビアの紋章。お前が聖騎士ランスロットか。会いたかったぞランスロット。ハイランド打ち破りその力を見せてもらおうか。望むところ我が剣を受けてみよ。
ザブン、どこだ、どこへ行った。デニム姉さん、どこだ。ここよデニム。残念だったなデニム、もう一息ってとこだったのにな。このお嬢ちゃんは俺が預かるぞ。返してほしくばアルモリカ城まで来い。ま待て、ザパン、姉さんを返せ。お前はなんだ小僧、俺に用事か。ギルダさん、ローディスの暗黒騎士よ。貴様の相手はこっちだ。ゼノビア人に何ができる、ひ弱な騎士よ、かかってこい。もたもたするんじゃねえ。デニム姉さん。デニム行け、早く追うんだ。なめた真似をしやがって、俺様の奥義を味わってみるか。早く行け。くらえフローベノム。Ah ouais, j'ai décroché la victoire en fait grâce à un poison uniquement. J'ai pas touché une seule fois le chef. Bon, je vous dis que le poison c'est le meilleur sort.